patience. Qui a beaucoup de patience. Mais si par malheur, il se met en colère, c'est le contraire de sa patience. Du coup, il sera en colère d'être en colère. C'est un petit peu ça le délire. Donc voilà, donc c'est le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est quelqu'un qui est très doué pour repérer les toutes petites imperfections. C'est vrai qu'il y a des imperfections parfois que, en temps normal, certaines personnes ne l'auraient jamais remarqué. Mais le perfectionniste, lui, va repérer. Donc c'est quelqu'un qui sera très utilisé dans le commerce, par exemple, pour repérer tout ce qui ne va pas. C'est quelqu'un de très intéressant. Quelqu'un qui sait être là, qui sait agir. Le perfectionniste, ça va être quelqu'un qui sera présent. C'est quelqu'un de très, très honnête. Parce que le perfectionniste, lui, il a besoin de ce côté honnête, de ce côté naturel, de ce côté entier. S'il a un truc à te dire, il te le dira. Si c'est pas parfait, crois-moi qu'il te le dira. Et ça peut-être te vexer, mais au moins tu peux être sûr qu'il est honnête envers toi-même. Donc le perfectionniste, c'est une très bonne personne sur qui on peut compter. D'accord. Le perfectionniste, il peut y avoir deux types de perfectionnistes. Le perfectionniste émotionnel, qui transmet l'amour beaucoup, qui est dans l'émotion. Et le perfectionniste qui est les conflits, il déteste les conflits, donc il s'éloigne des conflits. Donc un perfectionniste, il n'hésitera pas à agir en cas de problème. Mais sa valeur principale, c'est la patience. Et on va passer au deuxième. Le deuxième, c'est les dents. Alors curieusement, les dents, c'est les filles, principalement les filles. Alors des garçons qui peuvent s'y retrouver, d'accord. Les dents est quelqu'un de très émotionnel, quelqu'un à fleur de peau, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a besoin de savoir que tout son entourage et les gens qu'il aime vont bien pour se sentir bien. Les dents, c'est quelqu'un de patient. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité lorsqu'il est positif. C'est quelqu'un qui peut se sentir bien. C'est quelqu'un qui peut se sentir aimé, quelqu'un qui veut se sentir aimé d'ailleurs. Parce que je sais pas si on m'entend bien avec le vent. Parce que les dents, c'est le genre de personne qui a besoin de se sentir aimé. C'est le genre de personne qui, dans un couple, elle dira ou il dira: t'es sûr que tu m'aimes? Mais tu m'aimes vraiment beaucoup. Voilà, c'est ce genre de personne. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est le caractère qui a le plus besoin de se sentir aimé. C'est le caractère qui a le plus besoin de se sentir aimé. Comme quoi, ça c'est intéressant de remarquer ça. Comme si chaque caractère avait un truc à lui. Comme si le perfectionniste, c'était la perfection et le mal faire les choses. Et que les dents, lui, c'était plutôt l'amour. Car sa valeur principale, d'ailleurs, c'est l'amour. Et un 2 qui est positif, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de reconnaissance envers les autres. Alors qu'un 2 un peu plus négatif, c'est quelqu'un qui aura tendance à te faire payer tout ce que tu n'as pas fait. Si tu la fais souffrir, alors tu peux être sûr que cette personne se vengera, ou alors elle va tellement mal le prendre que elle te suivra très longtemps. D'accord. Donc ne jamais mettre un 2 22. Voilà là. On va dire là. La morale. Alors les deux s'entendent très bien avec les perfectionnistes. Perfectionniste est parfois un petit peu dans l'émotionnel, autant qu'un 2, un aidant est totalement dans l'émotionnel. Donc les deux peuvent très bien s'entendre. Alors,
juste mets le micro pour voir si on entend bien. C'est vraiment agréable cette sensation. J'ai envie de te parler de ces caractères, de ces différents types de caractères de la nature totale. On est vraiment dans la forêt la plus totale. Et c'était propice à la relaxation et la détente. Et surtout différents types de caractères qu'on pourra rencontrer durant cette vidéo. Parce que tous les caractères que tu vas apprendre durant cette vidéo pourront te servir dans ta vie. Lorsque tu seras en soirée, lorsque tu seras quelque part, tu vas pouvoir tout de suite capter si la personne est un 2, un 3, un 6, un 9. Et tu vas pouvoir réagir en conséquence. Par exemple, le perfectionniste. Si tu lui dis qu'il a tendance à être patient et à bien faire les choses, tu vas le flatter. Une fille, ou plutôt un aidant, une 2. Si tu lui dis que ta faire principale c'est l'amour, la sensibilité, que pour toi, le bonheur des autres passe avant toi, que tu as besoin de capter l'émotion, alors cette personne t'en prendra certainement un peu plus en considération. Il y a des garçons ou des filles qui sont dans le 2. Parfois les garçons qui sont dans le 2 se posent la question, est-ce que je suis gay? Souvent il y a des garçons qui me disent, ah et tout, je sais pas si je suis gay, je suis très émotionnel. Et mes amis, ils me clashent un peu, ils disent que je suis fragile. C'est pas que t'es fragile, c'est que tu es émotionnel, c'est pas pareil. Et si tu es émotionnel, c'est que tu es un 2. Alors faut savoir que le 2 est une grande qualité, d'accord? Très peu de garçons, ou pas beaucoup, sont sensibles et attentionnés, d'accord? C'est les émotionnels qui sont comme ça. Alors n'écoute pas tes amis, n'écoute pas s'ils disent, ouais, toi t'es un fragile, machin. Parce que toi t'as une qualité que les autres n'ont pas. Tu es sensible et différent. Et c'est cette sensibilité qui te rend différent par rapport à eux. Ne la perds pas. Garde-la précieusement, car c'est ça qui fait ce que tu es vraiment, d'accord? Donc c'est très important, garde tout ça. Ne renie pas ton caractère, ne renie pas ta personnalité. Parce que forcément, elle rentre dans un des 9 caractères qu'il y a. Et donc forcément, elle est super. Alors apprends-la, approfondis-la, apprends à la comprendre. Et tu apprendras à te connaître beaucoup mieux, tu verras. Déjà, s'il y a des 2 ou des 1 qui nous regardent, déjà ils ont de fortes chances qu'ils commencent à se dire, ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux ça. Il reste du temps. Donc pour finir cette première vidéo sur les caractères, si tu es perfectionniste, alors prends le temps, la patience de bien faire les choses. Ne cours pas trop vers la perfection parce que parfois elle est impossible à atteindre. Alors essaie de plus de profiter du moment présent. Et si j'ai un conseil, si tu es un 2, alors ne dis pas oui à tout le monde pour rien, pour se sentir aimé. Parce que parfois en disant oui aux autres, tu te dis non à toi-même. Et si tu te dis non à toi-même, alors ça n'ira pas, d'accord? Donc apprends à écouter ta propre émotion avant d'écouter l'émotion des autres, d'accord? J'espère que cette première vidéo t'a plu sur ce différent type de caractère qu'il y a. Et je te dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les différents types de caractères, d'accord? Je te dis à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.